Il y avait déjà l'aura du Jodorowsky, mais bon, c'est une espèce de légende urbaine. Alors là, Jodo plus Lynch, voilà. Dune, c'est pas adaptable. Le Messie s'appelle Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, énorme réalisateur, peut-être un des plus grands réalisateurs hollywoodiens du moment, fan de Dune. Je vais poser la question, justement. Vous n'avez pas eu peur d'adapter une œuvre qu'on juge inadaptable? Et Denis Villeneuve m'a répondu avec un anglais parfait. Fear is a mind killer, alias la peur tue l'esprit. C'est un peu la gimmick culte de Dune. Denis Villeneuve a fait une tribune dans Variety très sévère pour dire que pour lui, Dune, c'était le plus grand film qu'il ait tourné et que le problème, c'est que si on sort en même temps sur la plateforme, eh ben, le film ne marchera pas en salle et donc potentiellement, si le film ne marche pas en salle, il n'y aura pas de deuxième opus. Donc voilà, on en est là, on touche du bois pour que le film soit un succès, pour qu'on puisse avoir un deuxième film. Il y aura Dune en septembre, James Bond en octobre. Voilà, donc on va aussi se retrouver dans une période où il risque d'avoir des enjeux et alors qu'on a un blockbuster, normalement, on peut s'en tirer. Et j'espère vraiment que Dune va fonctionner parce qu'il n'y a rien en ce moment, il n'y aura rien à ce moment-là. Après, c'est une période quand même très spécifique qu'on vit. Donc, si Dune n'est pas un succès en salle, je ne sais pas s'il y aura un deuxième film, hein. Le deuxième film n'a pas été tourné d'ailleurs, hein, justement, au cas où, pour éviter le four intergalactique. Moi, je me rappelle d'être allé voir Le Retour du Roi au cinéma. Quand il y a eu la charge des Rohirrim, il y avait un applaudissement dans la salle. On vivait, on vibrait. Voilà, on voyait un truc de dingue. Et c'est pareil. Moi, il y a des moments extraordinaires que j'ai pu vivre en salle de cinéma. Les Star Wars, la prélogie notamment, où c'était fou. Salle pour Dune, ça permettrait d'avoir une suite. Donc, c'est pas plus mal. Donc, faut aller voir massivement Dune.